L'appartement. Nous sommes le... J'ai un peu oublié de compter les dates en fait. Mais je n'ai plus que 2 jours de ration d'eau, presque moins un fruit sec, plus de biscuits, plus de riz, ni de sardines. En fait, les seuls aliments qui se conservent facilement et qui ne nécessitent pas trop de préparation sur mon sommaire matériel de camping. Ah oui, je n'ai plus de croquettes non plus. Il est vraiment grand temps d'aller en course. Je dois être encore plus discret et attentif cette fois. Je ne peux pas me retrouver dans la même situation que la dernière fois. En fait, je n'ai plus qu'à fixer le dictaphone. C'est vrai que depuis que je lui parle, je me sens presque vivant. Je n'entends plus ses chuchotements dans ma tête. Mon ton, mon ancienne voix reviennent. Un peu comme si j'avais trouvé un public qui m'écoute. Et pourquoi ne pas l'emmener avec moi? J'ai presque l'impression qu'on finira par entendre ce journal de bord. Bon, bah ça me paraît fixé. Allez, je peux y aller, on y va, ok. J'ai toujours le réflexe d'appuyer sur le bouton à la lumière, ça sert à rien, il n'y en a plus. J'habite à côté de la gare. Ici et là, on trouve encore des marques au sol. Celles qui devaient servir pour l'évacuation. Et le pire, c'est qu'elle s'est bien déroulée. Le problème a plutôt été l'arrivée du train. Quand il est arrivé en gare, normalement décontaminé. On raconte que personne n'aurait survécu. Ok, j'y suis. Pour accéder à l'intérieur du supermarché, c'est un peu complexe. J'ai trouvé ce passage par hasard, mais un peu d'escalade de poubelle n'a jamais fait de mal à personne. Hey. Ok. C'est parti pour une petite séance shopping. J'aime me promener dans les rayons du supermarché. C'est un peu mon dernier lien avec la civilisation. Je n'ai plus qu'à imaginer. Tout d'abord une musique d'ambiance, les caddies qui passent, le bruit de la caisse enregistreuse, des clients. C'est incroyable, mais je ne pensais pas que ce serait une des choses qui me manquerait le plus. J'aime me promener dans les rayons du supermarché. Ok, je vais pouvoir rentrer et... Merde! Putain, ils sont 2 juste devant la sortie. Pas tout proche, mais avouons-le franchement, je pue. Il y a peu de chances que j'arrive à passer aussi près d'eux sans qu'ils ne me remarquent. Merde, merde! Ok, réfléchis. Il y a l'entrée du parking de l'autre côté. J'y suis déjà passé et ça donne sur une porte à sas. S'ils me poursuivent, ils ne pourront pas l'ouvrir. En courant rapidement, je vais pouvoir le faire. Mais je dois y aller. Maintenant.